J'aimerais parler du mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Et mentir, c'est dire quelque chose de faux, à celui qui a le droit de connaître la vérité. Et ça, c'est d'être dans l'intention de le tromper. Les mensonges, c'est pas toujours verbal. Ça peut s'exprimer parfois par des actes. Ce qui veut dire que on peut vivre un mensonge. Celui qui est à l'origine du mensonge, c'est nul autre que Satan le diable. Il est appelé dans la Bible le père du mensonge. On peut lire ça dans le livre de Jean, au chapitre 8 et le verset 44. Jean 8 et le verset 44. C'est écrit au verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ça a été par l'entremise d'un serpent que Adam et Ève se sont fait tromper par Satan le diable. Ce mensonge-là avait pour but de détourner l'amour et l'obéissance du premier couple. Qu'il avait pour Dieu. Le mensonge, c'est très grave. Il y a surtout les mensonges religieux. Quand une personne parle de la Bible, il faut qu'elle soit certaine de qu'est-ce qu'elle enseigne. Il faut que ce soit vrai. Sinon, ça peut compromettre la vie future, qui est la vie éternelle. Puis ça peut abuser aussi les personnes qui l'écoutent. On va lire Matthieu ensemble, chapitre 23 et le verset 15. Matthieu, chapitre 23 et le verset 15. Le verset 15 dit, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Fait que, quand on parle de la Bible, là, faut pas compter des mensonges. Faut dire la vérité. Merci de m'avoir écouté.